Et salut tout le monde, c'est Silver. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte ensemble, comme vous pouvez le voir à l'écran sur Alive Paint. Et je tiens à remercier du coup Studio Kudo qui m'a envoyé une clé pour vous proposer cette petite découverte. Hein. C'est très 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 gentil à eux. Alors, Alive Paint, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est très très simple. Et ben, c'est simplement en fait une sorte de livre de coloriage en fait, si vous voulez. Vous voyez, choisir nos couleurs, bam, colorier les choses. Aussi simple que ça. Ouais, concrètement, c'est tout bête. Facile. Et du coup, en fait, on va avoir plusieurs petites pages de coloriage du coup à faire. Alors, c'est essentiellement orienté jeunesse, mais en vrai, ça peut être aussi un petit peu plus... C'est un jeu un peu calme, ouais, sur lequel on peut jouer un peu sans trop de prise de tête. Donc on va pouvoir colorier voilà, des petites choses dans des situations un peu particulières. Et puis voilà, et en fait le but c'est de faire niveau après niveau, tout simplement comme on ferait dans un livre de coloriage, page après page quoi. Et voilà, je me suis dit en vérité ça a l'air très très sympa, j'avais bien aimé, oui on peut le dire, Wooloop, Looplane, hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'ailleurs. Et je me dis des petits jeux détendent de temps en temps. Ça fait du bien, hein. Pas s'embêter toujours avec des jeux complexes, de la bagarre, des machins, tout ça, non, ouais, des fois, ça fait du bien aussi de souffler un peu et de juste s'amuser sur des jeux un petit peu plus légers, tout simplement. Du coup, voilà, comme je disais, en fait, c'est simplement des enchaînements de différentes planches de dessin, et puis voilà, on est juste à colorier les planches. Après, on peut les colorier aussi comme on veut, hein, pour le coup. Là, on n'est pas limité au niveau des couleurs, je crois. Par exemple, là, si je veux que mon encre soit grise comme ça, je peux très bien, quoi. Donc là, on est... là, pour le coup, on est vraiment libre, un petit peu, entre guillemets, hein, par rapport à ce qu'on voudrait faire sur le dessin, quoi. Essayer de faire un peu... faire un truc à peu près correct quand même. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, dis donc. J'ai du mal. On va essayer de faire un dessin qui ressemble à peu près à quelque chose. Je pense que c'est du bois, ça. Pas très fort en encre de bateau, je vous avoue, donc... Mais ça ressemble à du bois, donc on va le faire couleur bois. Ça semble pas mal, ce petit truc en bois, comme ça. Ça me semble bien, ça. On va avoir un petit gris un peu plus foncé, ici. On va avoir un peu plus foncé pour ça. Ouais, ça me semble pas mal, non? Ouais, comme ça. Ouais, ça me semble bien. Hein. Donc ça en... Tac, en foncé comme ça. Ici. On va essayer d'avoir le même. Celui-là. Ou celui-là. Du coup... Ou ça, c'est ça. Ok. Hop, on va faire comme ça. C'est pareil, ça va être de la corde. Et d'alterner un peu les couleurs. On est peut-être un peu clair là. Oh, le très foncé, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal comme ça. On met bien ça. Comme ça. Et belle cette encre. Pas mal cette histoire. Ok, donc là on a fini l'encre, 100%. Ah oui, pour info, je peux colorier même le menu si je veux. Attends, on voit plus rien. Voilà. Bon, ça pète un peu, attendez, ça pète un peu. Un petit ours là, Fluffy Bear. Et du coup, voilà, je me suis dit, petit jeu un peu plus calme. Comme ça, ça nous permet de chill un peu. Moi, j'aime bien, vous savez, j'aime bien des fois chill un peu. On chill pas assez, je vous le dis, moi. Trop d'action dans ce monde des brutes. Ça.
Un petit button belly. J'ai oublié un pied. Ouais. J'ai oublié un pied. Plutôt ça. Ouais, plutôt ça. Petit boom. Les oreilles. Et les oreilles. Ouais, m'a l'air bien ça. Il met des petits yeux verts comme ça là. Là. Ouf. Ouf. Hop. Ça généralement qu'on fait, non? Non, pas du tout. J'aime bien ce que j'en suis. Ah. Pas mal, pas mal, pas mal. Le petit nez rose, bien sûr. Oula. Ça, c'est Teddy un peu pompette, là. Le petit nœud bleu. Petit bleu, comme ça. Non, pas mal. Hop. Des petits bracelets. Mettre des petits bracelets... On a pas mis. Des petits bracelets orange. Comme ça. Tac. On voit le petit Teddy, là, regarde. Oula. Oh, une dangerous bomb. Le petit piédestal en bois. Pas un grand artiste, hein, je pense que vous pouvez le voir. Mais je fais de mon mieux. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Pour l'instant, ça pourrait être pire. Là, ça va quand même. Ça va. Pour ça, on va mettre toute la ligne à la même couleur, on va pas s'embêter, hein. Non. Reviens. On est plus clair, je crois. Ouais, c'est pas grave. Voilà. La corde, on connaît, comme on l'a fait tout à l'heure. J'ai oublié de faire un dégradé. Attendez. Dégradé quand même. Dégradé, voilà quoi. Pour les flammes. Comment c'est les flammes généralement? C'est rouge au centre. Et orange sur les côtés. Et jaune là-bas. C'est à peu près comme ça les flammes en général, je crois. Ouais, c'est comme ça généralement les flammes. Les crânes là, comme ça. Comme ça plutôt. Voilà. La petite bambinette. Oh. 1000. Petit gobelet rouge. Petit gobelet rouge. Ouais, rouge plus comme ça. Non. Petit gobelet rouge, plus comme ça. Ça c'est quoi? C'est des pizzas, ça? La pizza, alors, c'est... Ah, la petite sauce tomate. Alors, je peux pas mettre le gobelet rouge. On va mettre le gobelet... on va mettre le gobelet bleu. Nous, on voit plus la pizza. Voilà. Ah, si, je pense, hein, c'est de la pizza, je pense. C'est la pâte de la pizza. Pas plutôt. Et on va faire toutes les pizzas d'abord. Les câbles. En beige. Ça. Comme ça, c'est mieux. Ouais. Ensuite, le pain. Ah, le pain, par contre. Le pain, c'est comme ça. Bien sûr que c'est comme ça. La salade verte. La salade, c'est plus... plus clair au centre, hein, je crois. Si mes souvenirs de botanique sont encore frais... je crois que c'est comme ça. Hein.
Et tomate, comme ça, je crois. Une tomate, je crois. Viande, là. Oula. Peut-être pas... Attendez. Ah, c'était quelle couleur, déjà? J'ai oublié. Allez. Terrible, terrible, j'ai oublié. On va mettre... Non. Comme ça. Pas que ça nous détruise les yeux, non plus. Comme ça, voilà. Oh, c'est bien comme ça. Jaune le queso. Un peu orange. Oh, c'est pas orange comme ça. Non, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. C'est jaune, arrête, arrête, c'est jaune. Oh, c'est... Ouais. Oh, c'est jaune fluo. C'est plus un jaune comme ça, je crois. C'est vrai qu'il est moisi, le fromage. Après. Ah bah faute de mieux, désolé mais... Les trous du gruyère ils sont orange. On va faire ça. Comme dans les films américains. Voilà. Le petit burger. J'aime pas colorier le burger. L'image qui nous a dû en erreur, je croyais qu'on allait taper un burger. Voiture de course. On va choisir un peu nos dessins après. On va essayer de parcourir un peu le catalogue. C'est un peu pétant mon bleu là, attends. On va mettre rouge. Bon non, il n'y a pas de raison, hein. Rouge. On va mettre couleur vitre. Hein? Bon, on va faire ça. Je sais pas, je sais pas. On va faire ça, je sais pas. Ah, on va faire ça, on va faire ça. Et on va dire que... On va dire que c'est une vitre. Non, pas une vitre, mais on va dire que c'est une vitre. On va dire que c'est la vitre arrière. On va faire comme si, on va faire comme si. Il y a trop là. Voilà, comme ça. Oubliez ça. Et... Les pneus. Pas mal comme ça, voilà. C'est bien ça. On va faire ça. Ok. Sproch, sproch, sproch. Oh, marrant, en fait, ça colore tout. Mettre en or, en or, petit or quoi. Là, j'ai mis quoi déjà là? Quelle couleur j'ai mis? C'est ça que j'ai mis? Je crois que c'était ça. Hein. C'est ça que j'ai mis après. Non, c'est plus foncé que j'ai mis. Plus foncé que j'ai mis. Ok. On va retaper du rouge ici, on va pas s'embêter. Ah, si je reste appuyé, ça colore tout direct. Hop, petit fard jaune. Oh, il manque pas grand chose, hein. Ah. Okay. Il manque pas grand chose, là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vois pas.
Mais si. Bah si, 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 je vois. Si, je vois. Oui, j'ai oublié. Ah, on va mettre en... mettre en jaune quand même mieux. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Encore oublié un truc? Ah oui, j'ai vraiment oublié un truc, quoi. Un seul. Et je le vois pas. Je le vois pas. En fait, ouais, je vois, mais ça, c'est un peu moche en jaune, ça. Voilà. Alors... passons en revue toutes les choses. Alors, j'oublie un truc. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah, on va demander un indice, hein. Ah. Ah, j'ai oublié la route. C'est une blague. Oh non, là, c'est... ça, c'est une blague. Oublier la route. Oh. On serait pas... on serait pas avec une voiture de sport, là. Vraiment sportive ou quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un peu sympa, là? Ninja. Un ninja. Un milkshake. Oh, le milkshake, milkshake, ouais. Je dirais le calice d'un sacrifice à steak, un peu, quand même, le milkshake, là. Ça me fait penser à un hôtel de sacrifice, hein, cette histoire, un peu, quand même. Hop. C'est-à-dire que c'est rouge. Pourquoi j'ai mis jaune là? Non, j'ai pas mis jaune justement. Il est bien ce jaune là. Ah, c'est ce qu'on peut faire ici là. Faire genre c'est des pierres précieuses. Faire ça, hein. Faire genre c'est des pierres précieuses. On peut faire genre c'est un os. Voilà. On peut faire genre c'est Michel à la fraise, hein, Michel à la fraise. Michel à la fraise, calmez-vous. Pour le Michel à la fraise, bien sûr. Voilà. On aurait d'autres un peu sympa là. Ah, des cartes. Oh, bah ça c'est facile les cartes. Ah, c'est facile quand même. Déjà, ça c'est normal. Logique. Ensuite, clic. Là il va aller vite, il y en a vraiment pour 10 secondes. Ah. Des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Ah, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est facile, ça. Là, il a été vite, il a été vite. Oh, secret software. Ah bah, s'il y a un ordinateur, là, c'est pour nous, là. Là, c'est pour nous, là. Bon, il est un peu chelou, cet ordinateur, quand même. On va dire ça, hein. Je sais pas, hein. On va dire ça, on va dire ça, hein. Thank you.
Hop. Ça me paraît bien. Hop. Ah, zut. C'était celui-là. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais, ça sûrement. On fait un bureau en bois. Ouais, hein. Je pense, hein. Ça c'est sûrement en métal je pense. Hop, voilà. C'est bien ça. Hop. Oh zut. On va dire ça c'est le ciel. Ça c'est des nuages. On va dire ça, c'est un alien. Ça aurait pu être un dragon aussi, mais là, ça va être un alien. On a dit ça, c'est mieux. Voilà. Ça aurait pu être un dragon. À tout moment, ça devient un dragon, mais... Et là, pour l'instant, ce sera un alien. Oh, il y a le... Attends, il y a un pylône grec derrière, là. Normalement, c'est les derniers trucs qu'on a à faire. Non ? Ah, j'ai oublié un. Un côté d'ordinateur. On code des aliens, mes amis. On code des aliens, là. À côté des aliens. Ok, petit ordinateur, là. Non, pas de petit ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh, mais on peut faire en random aussi, sinon. Eh, regardez, c'est pas un truc sympa, mais... Un puzzle. Un puzzle. Un puzzle, on dirait un dinosaure, le puzzle. Donc, qui dit dinosaure dit forcément nuage. Dit forcément nuage. Non. Pas forcément nuage. Donc, qui dit ancien dit forcément dinosaure. C'est ça que je voulais dire. Comme ça, hein. Ça, c'est aussi du nuage. Ça, c'est aussi du nuage. C'est vert, un dinosaure. Dans Jurassic Park, ils sont verts, hein. Pieds et son sabot, ça. Sabot, on va faire comme ça. C'est quoi? C'est ses griffes? Ça, c'est le bout de sa queue. Ah. Attends. Attends, déjà, il y a ses cheveux, là. Voilà, déjà, il y a ses cheveux. On va mettre ça à les mêmes couleurs que ses cheveux. J'oublie... un bout de la queue du dino, voilà. Ça va être beau gosse nos dinos, hein. Ça va être beau gosse nos dinos, je vous le dis.
Ça, ça va être ça. Ça. Ça, ça va être là. La continuité de ça. Du coup, c'est ça qui doit être vert. Non, c'est pas ce vert-là. Ça qui doit être vert. Vas-y, on va faire les plaques de son dos jaune, là. Tant de choses que ça, je suis à 85, mais non. Est-ce que j'ai oublié? Oh, j'ai oublié ses cheveux là, attends. C'est quoi ses cheveux déjà? Eyedropper, ah voilà, comme ça je reprends la même couleur. Hop. J'ai oublié ses yeux. Ça, ça va pas aider ça. Qu'est-ce que j'ai oublié maintenant? Je crois que vous l'avez vu. Moi, j'ai pas vu. Ah, j'ai oublié un truc là. Là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? On va faire un indice parce que là. Là, j'ai oublié ça! C'est pas trop planté sur les couleurs, hein, ça va. Hein. Ça va, on s'est pas trop planté sur les couleurs. Oh, une pizza. Une pizza, là. Sauce tomate, bien sûr. Du au milieu, c'est, je sais pas, petite boule de mozzarella, là. Hop là. Au mieux, c'est un pepperoni. Ah. C'est couleur pepperoni, ça je reconnais. Hop, couleur pepperoni. Hop, si t'es un pepperoni, toi. Toi aussi. Toi, t'es une tomate, toi, je reconnais. Non. C'est vrai qu'elle est malade, la sauce. Rouge cette histoire. Apporter un peu de fraîcheur là-dedans parce que. Apporter un peu de fraîcheur avec le basilic. Voilà. Avec les champignons. C'est pas fini là? Qu'est-ce qu'il nous manque? On a oublié un truc? Oublié ça? Oh, ça l'avait pas pris. Ouais, il tabasse la pizza, regarde-moi ça. S'il tabasse la pizza, c'est qu'elle est bien. On reçoit une petite random, là. Ah, super. Luxurious lipstick. C'est facile, ça. Ça, c'est facile. C'est une fleur. Les fleurs, non. Les fleurs, non. Qu'est-ce que je fais, moi? Les fleurs, c'est toujours comme ça. On dessine à l'école les fleurs. Pour pareil. Hop. Voilà, ça c'est les fleurs de l'école. On dirait un rouge à lèvres que on aurait fait à la fête des mères en maternelle. C'est mignon, c'est mignon. Mec. C'est un peu trop clair. Bon, celui-là, je le fais... celui-là, je l'ai fait vraiment au hasard. Hein. Celui-là, je l'ai bien improvisé, celui-là. Voilà, parfait. Hop, finito.
Bon, ce petit... c'est pas mal, hein, ce petit... Le petit Life Paint, là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite découverte, parce qu'après, au final, c'est juste colorier des dessins, mais... En vrai, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Quand même pas mal de dessins, hein. Il y en a 45. Oh là. Il y en a 45. C'est déjà pas mal. On voit plus rien, on voit plus rien. Là, reviens. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite découverte. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'est sympa, je trouve. Ça permet de se détendre un petit peu entre deux jeux de bagarre, de tir, etc. Donc voilà, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre juste sous la vidéo et poser un petit pouce bleu, bien sûr. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé dès que du contenu est disponible. N'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien pour la chaîne Twitch, hein, sur laquelle je suis en live essentiellement les week-ends, parfois quelques soirs en semaine. Et vous avez dans cette vidéo, hein, en exclusivité... cette information, mais vous verrez bientôt arriver sur la chaîne. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne Twitch. J'ai un gros, gros, gros projet pour la chaîne Twitch. Restez à l'affût. Sur la chaîne YouTube, vous aurez une petite vidéo, vous aurez l'info. Vous allez voir, restez à l'affût. Il y a du très, très, très lourd qui arrive. Donc voilà, j'en dis pas plus, hein, je vous le dis, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez les notifications, comme ça vous serez au courant dès que je vous balancerai l'info. Vous recevrez la notification, mais ça va être du très très lourd. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser ici les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous dis ciao !